On aurait donc deux victimes. Renaud Mora et ce fameux Johan qui a disparu depuis un mois. Ouais. On a surtout intérêt à retrouver Atif. Petit café ? On a intérêt à retrouver ce Atif. C'est où le nord ? Là-bas. Tout droit. Ouais. On a tout intérêt à retrouver Atif. On essaye par là. Qui va l'identifier si tout le monde croit que c'est lui? Il veut nous dire que ce qu'il veut bien nous dire. Je ne sais pas ce que je dis. Il en sait plus qu'il ne veut bien le dire. Il en sait plus qu'il ne veut bien le dire. Laissez-moi deux jours. Ça fait plus d'un siècle qu'on croit l'espèce totalement éteinte. Je peux en recommencer sans le bruit ? Je cultivais mes plantes les plus rares dans cette serre. C'est chiant, putain, c'est casse-couille. Un siècle. Putain, c'est moi maintenant qui ai force de la faire. Pardon, excuse-moi, pardon. Non, ça fait. À force de la faire, les violettes, je sais plus. Cain, vous m'entendez ? Cain ! Arrêtez-le ! Cain, appelez la police ! Cain ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous pouvez pas le laisser partir là ! Non, Cain, j'appelle la police, je fais le 118, j'appelle ! Ah ! Non, c'est pire qu'une trahison, c'est cosmique ! C'est cosmique, j'en peux pas, Nous avons été surpris de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul ouvrier enregistré, Monsieur Philippe Kerem. Oui. Renaud avait une très grande confiance en lui. Mais... Ah oui. On a sauté. Il fait peur, qu'un. J'ai cru qu'un. Pardon, excuse-moi. Ok. Comment vous faites pour attirer à la fois l'admiration et le rejet de vos proches? Il m'admire pas, il est jaloux. Non mais vous avez vu mon jardin chinois? Compte soit maître. Oh putain! On sait maintenant pourquoi il a fait exploser ma serre. Elles étaient dedans. Il est beau ce pavillon chinois. Oui, il est beau. Ouais. De mon point de vue... Ces vieux palmiers tout moches. Ouais. Et ouvre les yeux, profane. Des chamérops. De leur... Des chamérops. Des triceratops. Oh la vache.